Bonjour, bienvenue à cette vidéo qui va vous aider à mieux parler devant des vidéos pour enlever toutes les peurs. Et avant que l'on se mette à tapoter, n'hésitez pas à donc télécharger le manuel EFT au-dessus ou en dessous de cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook pour être au courant des vidéos. Alors vous allez tapoter et vous allez vous brancher sur tous les freins que vous pourriez avoir à faire vos propres vidéos pour vous faire connaître. Et peut-être que vous avez peur de pas dire des choses intéressantes, que vous avez peur de ne pas avoir d'inspiration. Je vous demande de vous brancher tout en tapotant, ou de vous dire que vous allez bafouiller, ou que vous allez faire ça trop long, ou... et vous allez tapoter avec moi. J'ai l'intention de faire d'excellentes vidéos. Même si j'ai des tas de peurs de faire des vidéos et d'être vue publiquement, je m'accepte avec toutes mes peurs. Au-dessus de la tête, et vous vous branchez à vos freins ou peurs. Donc les freins, c'est peut-être de bafouiller, de ne pas être intéressante, peur d'être visible. Et vous répétez après moi, vous vous branchez sur le frein qui est le plus important, et vous répétez après moi, je libère et je lâche tous les freins à faire des vidéos publiques. Je libère et je lâche. Je ne suis pas intéressante. Je libère et je lâche. Je vais bafouiller. Je libère et je lâche. Je ne vais pas savoir quoi dire. Je libère et je lâche. Cela ne va pas être assez intéressant. Je libère et je lâche toutes mes peurs. Je libère et je lâche. Je vais pas savoir tout retenir ou pouvoir. Je vais pas pouvoir tout retenir. En dessous. C'est trop difficile de faire des vidéos en dessous des seins. De toute façon, personne ne va les regarder. Je libère et je lâche tous mes freins et toutes mes peurs de faire des vidéos publiques. Pourquoi est-ce que c'est facile de faire des vidéos? Pourquoi je me lance malgré mes imperfections? Pourquoi est-ce que je prends exemple sur les vidéos que j'aime? Pourquoi est-ce que je passe à l'action et que je fais mes premières vidéos? Pourquoi suis-je inspirée par des tas de vidéos à faire? Pourquoi ai-je tant de choses à dire dans mes vidéos? Pourquoi suis-je si structurée dans mes vidéos? En dessous des seins, pourquoi suis-je si claire dans mes vidéos? Et maintenant, vous inspirez profondément et vous expirez. Et si vous voulez, vous pouvez répéter la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous mettez un petit pouce, vous la partagez et vous mettez un commentaire. Merci et à bientôt.